regardez trop Twitch sur votre ordinateur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre cours sur le PCB design et l'électronique. Un cours un petit peu tardif. Aujourd'hui, alors, la dernière fois, on avait terminé le PCB du premier projet, c'est-à-dire le circuit tout simple avec le petit connecteur de broche 1 × 2 en 254, les 4 interrupteurs et les 4 LED, même les 6. Et les 4 résistances naturellement en série avec les LED. Une chose qu'on n'avait pas encore fait, c'est de préparer ce PCB là pour la fabrication dans une usine du style GLC PCB ou PCB Way ou PCB de votre choix. On va faire ça au prochain circuit. Alors aujourd'hui, on va faire une séquence un petit peu plus avancée. On va traiter le sujet de la plaque de l'interface USB pour le Sharp G850, une de mes calculettes préférées, enfin bon, peu importe, puisque c'est le circuit et c'est la fabrication du PCB qui nous intéresse, c'est le design d'ailleurs, tout d'abord. Alors, on va juste regarder ce qu'on a fait la dernière fois. Ça, c'est ce projet-là, ça c'est le premier projet, et ça c'est le PCB routé simple couche, puisque tout rentre sur une seule, voilà, rien de celle-là, dans celle-là, mis à part voilà les pattes des composants traversants. Ok, parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est on ferme ce projet là et on va réouvrir. On va réouvrir le projet qui est sur GitHub, le Sharp 850 Pro. Voilà. Je vous rappelle, c'est celui-là. Alors, on va faire une petite on va faire une petite modification au projet. On va déjà regarder si si tout va bien. On va refaire le ERC. Parfait. Alors, on va faire quelques petites modifications même. On va dupliquer ce connecteur là avec justement les labels là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et pour l'instant c'est tout. Donc on sauvegarde, on fait l'annotation qui manque pour J3. D'ailleurs, on sauvegarde de nouveau. Et avant qu'on passe au PCB, je vous ai promis de vous montrer ce que c'est un circuit avec du crénelage. La dernière fois, on va switcher à la caméra. Regardez, vous avez un ESP ici, c'est un 8266,
Et ça, c'est un Bluetooth. À mon avis, c'est un HM10, pas sûr. Pire que ça, ça doit être un clone, puisqu'il lui manque ce deuxième quartz. Enfin voilà, peu importe. Ils sont faits dans la même usine chinoise. Bref, vous avez. Enfin, comme on ne peut pas faire des pâtes sur un circuit, par exemple pour comme sur un SOIC, hein, normalement il y a des pâtes ici. Alors, comment on fait pour qu'on puisse quand même utiliser ce PCB avec ce circuit-là comme un composant? Ben, on fait une technique spéciale, c'est voilà le crénelage. Alors, selon les dires, c'est qu'il faut mettre un edge cut à travers justement des VIA, avoir plein d'autres paramètres et surtout le dire à l'usine de PCB, oui, on veut avoir du crénelage, oui. La coupure là qui va à travers les VIA, elle est voulue. Bon, je vais essayer ça un jour, je vous dirai comment on le fait. Ici, même chose. Et ici, en fin de compte, il y a un truc très très intelligent qui a été fait, c'est qu'ils ont mis un second trou avec du cuivre, enfin bon, c'est des cuivres plaqués hors nickel, Enig, ici, parce que justement, enfin, on appelle ça du plating, ici, il n'est pas réellement, enfin physiquement stable, juste comme ça au bord. Ici c'est beaucoup plus stable, donc si on soude quelque chose, ben c'est mieux d'avoir une construction comme ça. Bon, ça prend un petit peu plus de place, mais effectivement c'est beaucoup plus stable. Et ça c'est la construction recommandée par les usines de PCB d'ailleurs. Bon, voilà, ceci pour les circuits crénelés. On revient au schéma. Alors, on a ici des trucs assez intéressants, surtout on a ça. Tout le reste n'est pas problématique. La calculette, elle n'est pas très très rapide. Son quartz est à 10 MHz, c'est à peu près la vitesse des microcontrôleurs actuels, Atmel, enfin bon, genre des plus faibles, réellement. Le bus de sortie, de toute façon, il ne va pas travailler à cette vitesse-là. Pas en mode RS232, enfin pas en mode série, du moins. Vitesse maximum 9600 baud. Donc ici, a priori, vous pouvez router comme un goré, sans aucun problème. On va quand même faire un truc propre. En revanche, là, on n'a pas le choix de pouvoir router comme un goré. Il faut être. Ça, c'est le bus USB. Et sur du USB-B micro, en communication avec le FDTI, la vitesse maximale, enfin, la norme va être de USB 2.
Donc c'est 480 mégabits par seconde, ce qui est assez important. Donc les traces devront être courtes. On n'aura pas le choix de pouvoir les router à travers tout un PCB à l'esbrouf. Il faudra que les traces soient à peu près de taille égale. Il y a une fonction dans KiCad pour ça. Et voilà. On a donc dans ce schéma, on a plusieurs parties qui sont intéressantes. On a la partie alimentation, power. Je rappelle ce que c'est le Polyfuse. C'est un fusible PTC réarmable, c'est-à-dire si le courant dépasse une certaine valeur, elle se déclenche et elle coupe le courant jusqu'à ce que le courant redescende en dessous de la bonne valeur, jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Vous avez des capacitances de lissage parce que sur l'USB micro, il peut y avoir un bon nombre de bruit électrique, bruit électromagnétique, plein de trucs, et ça court-circuite justement tout ce qui est champ proche vers la masse, donc qui va nous lisser le plus 5 volts. Normalement, avant ou après le polyfuse, on met aussi une petite inductance. Du style un ferrite bead pour que ça soit plus stable, mais bon, après ça c'est optionnel. D'ailleurs, pourquoi pas, on va rajouter ça. Ferrite bead small. C'est une inductance, une self autour d'un noyau en ferrite. Le noyau en ferrite va augmenter la valeur de cette inductance et ça va être quelque chose qui va refuser de passer tout ce qui est fréquence haute, telles que les capacitances ici qui vont lisser, en fin de compte, qui vont court-circuiter tout ce qui est fréquence haute vers le ground, comme on veut faire passer que du DC. Ok, end tool, on annote tout ça. Ok, maintenant on a fini d'embellir notre circuit. Dernière chose à regarder. Ok, voilà. Maintenant, comme d'habitude, on va faire le mapping des composants. On va faire le mapping des composants, des symboles du schéma vers des empreintes. Est-ce qu'il y a des composants ici qui ont des footprints bizarres? Alors, les condensateurs ici, 10 nano, 10 nano et 100 nano, c'est 0,1 mu, sont disponible en 0,8 0,5. On va garder les 0,8 0,5 comme norme. 10 nano ici aussi,
Résistance. Les résistances de toute façon sont tous disponibles en n'importe quel package. Donc voilà, tout ça c'est du 0,8 0,05. Les diodes aussi, résistance aussi. Bon, ça c'est pas des composants en tant que tels. Ça, c'est des traces spéciales sur le PCB. Le ferrite bead, c'est aussi du 0,8-0,5. En termes d'inductance, le polyfuse, ça va être du 12-10, si ma mémoire est bonne. Si je regarde mes composants, oui, c'est du 12-10. On va garder tout simplement une place 12-10 pour le polyfuse. Ça c'est une rangée de connecteurs 1 x 11 mâles. Et ça, en fin de compte, il n'y aura rien. Enfin, il y aura les trous pour mettre une rangée 1 x 11, mais on mettra absolument rien dedans, puisque je veux garder les trous pour du prototypage. Voilà, est-ce qu'on a tout maintenant? Ouais, c'est bon. Allons-y, on fait le mapping. Oui, bon, c'est le circuit intégré, ça va être du TSSOP. Et pour le USB micro, on verra ce qu'il y a. On prendra du Molex. Je sais qu'ils sont dispo sur LCLC. Alors, condensateur, on est capacitor SMD. On prend du 0,805 metric, enfin non, pardon, 0,805 pas metric, et en hand solder. Voilà. Les LED, c'est des LED SMD, on les prend aussi en non, voilà, hand solder. Voilà, le polyfuse. Le polyfuse, on va prendre. En fin de compte, c'est une résistance. Donc, on prend le package d'une résistance. Est-ce qu'il est dans Fuse par hasard? Non. Non, bon, ça c'est des trucs normaux. Donc, on prend un Resist SMD et on prend un Resist SMD en 12-10, on avait dit. Le ferrite bead, c'est une inductance, donc c'est induct SMD 0,8-0,5. Rien de. Alors, USB B micro, est-ce qu'on a. Voilà, connecteur USB. C'est un USB B micro. Alors, je vais vous dire quel Molex j'ai utilisé. J'ai utilisé. Bien, celui-là et celui-là. On va utiliser celui-là. Il est plus simple à souder.
Connecteur 0,1 x 11 mâle. Donc c'est un pinhead 254. Vous devez connaître maintenant ce nombre par cœur. Alors, une fois 11, et il va pas être vertical, il va être horizontal. Ça, c'est quoi? Pour le J3 aussi. Pom, 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 pom. Non, pour le J3, il va pas être horizontal, il va être vertical, sauf qu'on va pas mettre le connecteur à l'intérieur. Vertical, voilà. JP1, JP2. C'était quoi ça? Ah ben voilà, c'est cela. C'est bien, il est gentil, il montre sur lequel on est actuellement. Donc JP1, JP2, ce sont des solder jumpers, donc on va les trouver dans jumper. Jumper 2, donc 3 mm open rounded pad. A priori, c'est ça. Ça aussi. Et après, tout ça, c'est... Résistance. Résiste. SMD. 0,8, 0,5. Hand sold. Allons-y. Voilà, le FT232RL, il est déjà rempli. C'est un SSOP 28. Le truc pour faire chier le monde. Bon, non, je rigole. À peu près. Ok. Parfait. Maintenant, on ouvre le PCB. Pour l'instant, il n'y a rien. On va dire Update PCB from Schematic. Voilà. Close. Et on va mettre ça quelque part bien au centre. Voilà. Voilà le tas de composants, le chevelu de notre circuit. On va regarder à peu près ce qu'on a à disposition. Bon, là, il y a effectivement des modèles qui n'ont pas été faits, tout simplement qui n'existent pas dans KiCad. S'ils existent sur le net, on peut les télécharger. Si vous êtes bien, enfin, si vous êtes bien à cheval sur de la 3D. Vous pouvez le dessiner, oui, c'est presque beau, Slane. sauf que on va le faire beaucoup mieux, plus beau et beaucoup plus fonctionnel, parce que là, c'est un tas de composants, ça sert juste à jeter à quelqu'un à la tête, et ça fera même pas mal, malheureusement. Donc voilà, c'est même pas éducatif. Alors. On va d'abord placer les composants tels qu'on aimerait bien les avoir sur notre circuit. Alors, est-ce que je peux vous montrer quelque chose, enfin un circuit existant ou non? Non, même pas. Naturellement, je ne trouve rien dans mon chaos. Ah.
faudrait que j'achète un petit peu plus d'armoire pour ranger tout ça. Alors, pour expliquer, on a ce connecteur-là qui est sur la droite du circuit, puisque le port auquel on va se connecter de la calculette, il est sur la gauche. Donc il va être ici. Et à mon avis, on va mettre le port USB, on va le mettre de ce côté-là. Et on va le tourner vers la gauche. Voilà. À peu près comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec celui-là? Ça, je veux l'avoir juste là. Après, on va enlever les trucs pour avoir un petit peu plus de clarté. Là, vous voyez, c'est nettement nettement plus ardu pour démêler le circuit, surtout que en fin de compte, s'il y a dans la nature, enfin sur le net, intégré dans des programmes, s'il y a des autorouteurs, il n'y a pas de l'autoplacement, en fin de compte. Non, il y a de l'autoplacement, il n'y a pas de l'autodémêlage de circuit. Alors, on va regarder comment est fait notre USB micro. Le ground, ça c'est l'ID, il est pas connecté. Ça c'est les deux pads pour des plus et des moins. Et ça c'est le plus. Donc VBus sur le polyfuse et tout le reste. Donc on va placer le polyfuse ici. Scrunch, scrunch. Pour le démêler. Après, on a le ferrite bead. On part déjà sur une telle taille. Bon, pour l'instant, la taille, on s'en fout. On va regarder ce qu'on a comme capacitance ici, c'est-à-dire C1, C2, C3. Parfait. C1. On va le mettre là. Après, C3. Voilà, peu importe l'ordre, et ces deux. Bah. Donc là, déjà, pour l'ordre, c'est déjà pas mal. C1. Alors, ce qu'on fait normalement pour que les composants soient bien ordonnés, on choisit d'abord une grille plus grande, par exemple un 27 mm, et après s'il faut raffiner, ben dans un deuxième cycle, dans une deuxième itération, on choisira une grille plus petite pour raffiner le placement, enfin par exemple pour le routage et tout le reste. Alors, dire comme ça. Regardez, ils sont bien. Ça, c'est facile à faire. Voilà. Là, on a déjà tout ce qui est power. Si. Il nous manque un petit truc pour le power. C'était pas en haut, c'était en bas.
C'est ça. On a une LED qui affiche que le circuit est sous tension, au moins du côté de l'USB, pas du côté de la calculette. Donc, oui, pardon, c'est lequel? C'est D1, Power LED. Parfait. Et on va mettre ça. Comme ça, par exemple. Plus 5 volts, est-ce qu'il arrive? Donc on peut le prendre à partir de là. D'ailleurs, on peut. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le plus 5? Ah oui, non, c'est bon. C'est celui-là qui est interverti. Voyez, le chevelu, il arrive sur celui-là. Il repart dans celui-là. Donc là, il faut le retourner. Mieux. D1, on va le laisser comme ça. Après, toutes les inscriptions, soit vous pourrez les enlever. Vous pourrez les changer, donc il n'y a pas de problème, vous pourrez rajouter des inscriptions. Pour bien aligner tout ça. Le plus 5 volts, D1 va aller vers une résistance qui est R1, qui est juste là. Dans ce sens, c'est déjà mieux. Si vous vous souvenez bien, pour ground, on n'a pas besoin de faire du routage spécial. Enfin, il a son truc spécial, c'est le ground plane, c'est le plan de masse. Donc, il y aura un plan de masse. Donc on ne va pas s'occuper de comment ground est routé, du moins pas sur ce circuit-là. Qui est, voilà. Ah ben voilà, Slane Pool l'a remarqué, exact. C'est pas de PCB, oui c'est ça. Ça s'appelle Rat's Nest, Slane. En anglais, c'est enfin le mot pour chevelu en anglais, c'est rat's nest, au moins dans le langage PCB. Bon, après, deuxième chose, c'est le FT232. Je vous ai dit, il faudrait que la trace que le bus USB arrive sur le chip sans encombre, éventuellement sur le chemin le plus rapide qui existe. Seulement, on va être, on va faire une chose. On va nommer ce net-là USB D plus USB D moins. Ici, on va le nommer D plus D moins. Et vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc, D plus. D moins. Plus.
Ben, il faut que le nom soit identique et il faut que la seule différence qu'il y ait, ce soit le plus et le moins sur les deux lignes. On va sauvegarder. On va revenir à notre PCB. Et surtout, on va faire un update du PCB au niveau du schéma. Update, voilà, close. Maintenant, on sait que ça c'est des moins, ça c'est des plus. Et où est-ce qu'ils arrivent? Ah ben voilà. USB des plus. Ah pardon, USB des plus, USB des moins. Donc a priori, comme non, là c'est inversé. Voilà. Ça, l'USB moins, il arrive ici, le USB des plus ici, ils n'ont pas besoin de se croiser ou de faire d'autres acrobaties. Ah, où est-ce qu'on a nos deux résistances? Voilà, il y a une résistance ici. Et on a une deuxième ici. On va les mettre dans l'ordre. Bon, pour l'instant, on les met comme ça. Naturellement, celle-là, on... Oui, très drôle. On l'intervertit. Bon. Ah non. Pas le bon truc. Ok. Pour l'instant, on le met comme ça. Maintenant, tout le reste. Alors, on a donc diode numéro D3 et TX LED. On met d'un côté. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. La résistance qui va avec. Et la résistance qui va avec R5, on le met ici. Pour l'instant, on n'y touche pas. Il y a nos... Là. Un et l'autre, il est là en haut. Alors, on va intervertir pour que VCCIO soit bien au milieu, puisque c'est le choix entre 5 volts et 3 volts qui va impliquer ce qu'il y aura sur les pattes. Bon, cette partie-là n'est pas vraiment nécessaire pour la calculette elle-même. Je l'ai juste rajouté ici pour que vous sachiez ce que c'est un solder pad, comment on travaille avec. Et surtout pour donner un petit peu plus de fonctionnalité à ce circuit, pour l'utiliser pour d'autres choses, puisque pas besoin d'utiliser ça pour une calculette, ça, vous pouvez le connecter à plein d'autres trucs. Un port série USB, c'est toujours utile, c'est même très 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 utile. Ça, on laisse pour l'instant comme tel. Et maintenant, on fait... Alors, on a des capacitances de 100 R vers chacune des pattes. Non, c'était pas ça. En a 4. Comme celle-là. Tiens. Ah ben voilà. Là.
Ça, c'est du 10K. Tout ça, c'est vers la masse. Ça, c'est des pull-down. Non. Parce que quand on se trompe de touche. Voilà. C'est bon là. On va les mettre à la même hauteur. Voilà, parfait. Et RTS Calc. Voilà, ici aussi. On va bouger. On va bouger ça. Un truc comme ça. Ah, et on va mettre les capacitances. Cela vers la masse, mais comme on sait, ça va être le plan de masse, donc pas besoin de les. On va les orienter juste. Ça. Ah non, le dynano, ça c'est une capacitance de découplage. Ah, le 10K, on le met. Voilà. Comme ça. Et celui-là, on le met ici. Voilà. Et a priori, on peut rapprocher tout ça du. Alors, le 10 nano, on va le placer le plus près possible. Voilà. Comme ça. On va laisser de la place pour RX LED, TX, TX LED. Ils sont juste là. Hydratation. On avance bien là. Donc on a d'abord RX LED et après TX LED. Donc TX LED, on va le bouger. Celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. VCCIO vers, vers en haut. Et ils sont pas alignés, j'aime pas ça. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant, même chose pour. Ces deux-là. Ouais, celui-là il est dans le mauvais sens. Parfait. Tant qu'à faire, VCCIO est ici.
On va mettre ça. Tenez, on va faire genre un petit challenge. On va mettre les trucs ici. Comme ça. Bon, ok. Ça, c'est à peu près la configuration qu'on va utiliser. Sauf que tout ça, c'est grand, en fin de compte. C'est long surtout. On peut faire ça beaucoup plus petit. On peut rapprocher tout ça. Enfin, déjà pour... Pour voir, ça c'est 9 cm. Beaucoup trop long. Enfin, on peut faire fabriquer ce truc, mais bon, on gâche de la place. Non. Prends tout ça, voilà. On va rapprocher tout ça, ouais. Autant que possible. Et toute la partie power, on la met ici. D'ailleurs, non, j'étais con, enfin, il faut pas mesurer à partir de là, faut mesurer à partir de là, parce que c'est cette partie-là qui sera à l'extérieur du circuit. Donc, là. Ici à là. Voilà. 59 mm. Beaucoup mieux. Et fois bah, la longueur du. Enfin, grosso modo, le connecteur. Plus quelque chose. 3 cm, 3 et 4. Voilà. Parfait. Bon, on sauvegarde tout ça. On sauvegarde tout ça. Et puis, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va fixer les longueurs des traces. C'est on va aller dans track. Et on va écrire notre arsenal. Donc 0,25, on l'a déjà. On va rajouter 0,2 mm, on va rajouter 0,4 mm, on va rajouter 0,8 et ouais. Et on va le laisser comme ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de plus grandes traces. Donc on a 0,25, donc 0,2, 0,25, 0,4, 0,8. Pour les via, il y a le 0,8, 0,4. On rajoute du 0,6, 0,3. Là-dedans, ça c'est selon les specs qu'a votre usine, ce qui est autorisé. Paire différentielle, on laisse ce qu'il y a. On va voir si c'est suffisant, si on va pas faire plus petit. Probablement on va faire plus petit, c'était le 0,2, on va le router en 0,2. Voilà. Quoi d'autre?
On peut faire une chose, c'est on peut faire les délimitations du circuit, mais on va pas le faire tout simplement parce que je ne veux pas me donner plus de contraintes déjà que je n'ai fait en plaçant les composants assez près ici. Parce que c'est un système d'équations qui est à résoudre. Et plus il y a de contraintes, moins on peut le faire, tout simplement. Alors, on va laisser comme ça. On va fermer le truc, enfin, qu'au dernier moment, au moins quand on fera le plan de masse. Alors, première chose qu'on va faire, ou si vous voulez, on va le faire plus grand que on va le faire plus grand que prévu, et après on va l'amincir de tous les côtés, au moins des côtés où on a mis plus de PCB. Alors, première chose, c'est ça. Je vous ai dit, ça c'est notre enfant problématique. Il faut que les traces ici soient bon, de même longueur, courtes, le plus court possible, et sans de gros détours entre des composants, surtout entre des composants bruyants, qui pourraient mettre du bruit sur la ligne. Alors, ce qu'on fait, c'est justement, c'est pas ce truc-là, c'est pas le route tracks, il y a un truc spécial là-dessus, c'est le routage différentiel, routage d'une paire différentielle. Laissez-moi juste voir où est-ce que ça se cache. Voilà, differential pair. Alt 6. Et pour que KiCad reconnaisse ce que c'est une paire différentielle, ben, il fallait qu'on mette le nom du net de telle façon à ce qu'il y ait une différence. C'est avec le plus et le moins. C'est D plus, D moins, USB D plus, D moins, ou je ne sais pas moi, poule pi plus, poule pi moins, Seb plus, Seb moins, Seb plus ou moins. On va voir si le routage ici est possible. Vous voyez? Illégalise truc, on va le laisser comme ça, voilà, parfait. Il a routé ça. Puis on va essayer justement avec cette grille-là de router ces traces-là. Voilà. USB des plus, des moins. Voilà, voilà ce qu'il trouve comme solution. On va regarder si jamais on met une grille un petit peu plus, un petit peu moins contraignante. Non, il donne la même solution, donc on va le laisser comme ça. Voilà. On remet la grille à 10 000. Et voilà, on a routé de façon correcte notre paire différentielle. On sauvegarde tout ça. Après, on fait le reste. Alors, on peut faire un truc automatiquement. Alors c'est pas Fabrication Outputs, c'est ce qu'on avait mis ça.
Ah, bonne question. Bonne question, où est-ce qu'il a... Netlist. Configurateur. Ah, maintenant je ne sais pas où est-ce qu'il a mis. Predefined sizes. Dans... Alors, on peut mettre des track sizes, enfin des largeurs de traces à la main, soit on met des traces par défaut. Par exemple, pour tout ce qui est 5 volts, on met 0,8, admettons. Pour tout ce qui est machin, tel ou tel net, on met tel ou tel. Telle ou telle épaisseur de telle ou telle largeur de trace. On peut le faire automatiquement. Là, je le fais à la main. Pour le début, c'est plus simple déjà pour montrer ce que ça donne. Alors, on va choisir de préférence une trace épaisse, on va voir, voilà, c'est ça, 0,8 mm, cancel, et on va router. Alors, regardez, ah, il n'arrive pas à le faire. Alors, soit la trace elle est trop grande pour aller dans les contraintes ici, pour ne pas toucher un autre pad. Soit c'est la grille. Non, ça j'aime pas, dans KiCad. Soit la grille n'est pas assez permissive. Donc on va mettre un mils. Non, toujours rien. On va descendre à 4 mm, voilà. Donc, vous voyez, 4, c'était pratiquement, enfin pile poil, la taille du pad. Donc on va le laisser à 4 mm. C'était toujours possible de faire l'essai. Alors, comme vous voyez, lui, il fait du routage octagonal. Comme un grand. Ah, on va mettre la grille de nouveau à 10 pour qu'on ait une grille au moins. Voilà. On route que le 5 volts. Le grand, on va s'en occuper après. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, ça c'est moche. On va laisser un petit peu plus de place ici parce qu'il y aura d'autres trucs. Ça, c'est notre trace 5 volts. Ben, comme c'est du DC, ça fait le tour, c'est pas grave. C'est bien filtré. Alors, relie à la diode. Et après, on fait le reste. Après, qu'est-ce qu'on a en termes de power? On a VCCIO, c'est-à-dire déjà cela. Pourquoi ils sont pas à la même hauteur? J'aime pas ça. Voilà. Mieux.
Tout le reste, c'est de la basse fréquence en fin de compte. Mais on peut le router avec le 0,4. On n'a pas besoin d'aller à une échelle plus petite. Donc si on peut le router, si on peut tout router en 0,4, bon, mis à part naturellement les lignes là, enfin c'est probablement du 0,2. On va le faire, tout simplement. Alors, voilà, à la limite, voilà, on le fait comme ça. Éventuellement, il va pas trouver le. À trouver le chemin ici. Voilà, mieux. Voilà, il reste le 5 volts à faire. Puis on fait ça. RTS calque ici. Voilà, comme on s'est allégé le travail en alignant tout ça. Et on va faire ça. Alors à quoi il sert ce connecteur? Eh ben, il sert à rien. Il n'y aura pas de connecteur ici, il y aura juste les trous. Parce que le connecteur, il sera là. C'est juste G2 qui sera soudé justement à cette place. Et ces trous-là, c'est juste pour du prototypage, pour que vous puissiez souder à tel ou tel point justement du... Enfin, de ce connecteur-là pour pouvoir vous interfacer avec telle ou telle ligne du circuit. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, la partie difficile. Comme vous voyez, les connexions partent d'ici et il n'y a aucun moyen pour qu'on puisse le faire avec juste une couche de cuivre, ce circuit-là. Donc il faudra passer de l'autre côté. C'est pour ça que la plupart des circuits sont des circuits de couches. Après, il y a des trucs tellement complexes qu'il en faut 4 ou 6 ou enfin pour des plaques GSM de téléphone, ça va même jusqu'à 16 couches pour avoir une telle intégration. Ouais. KiCad peut router jusqu'à 32 couches. En même temps, enfin, et il faudrait trouver une usine qui sache fabriquer du 32 couches. Je sais qu'il en fabrique à 16, mais 32, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, celui-là d'abord. Ou non, cancel. Celui-là, il est plus près du bord. On va essayer. Alors. Il pourrait passer là, mais non, on va pas router comme ça. On va faire un truc. C'est en appuyant sur la touche V, on fait un via. Et on passe de l'autre côté. Et là, on passe en vert.
Vers, ça veut dire on est de l'autre côté. Et je replace un via. Ouais, je vais en placer un ici. Voilà. Et là, je continue de nouveau en rouge. Voilà. Même chose pour celui-là. Il doit passer. Ouais, il pourrait passer comme ça, mais non. Là, ça fait combien? Ça fait. Enfin, on passe en dessous d'une ligne 5 volts, admettons. Est-ce que le 2, il passe. Il passe nulle part, celui-là. Ok. Ah, non, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, il y a deux vias à passer, mais a priori, on s'en fout parce que ça, c'est de la basse fréquence. Donc, on peut se permettre de. Et. Il y a encore un dernier à passer, c'est celui-là. Ok. Il nous reste le 5 volts et le VCCIO quelque part ici. Déjà, on va le relier. Ici. Puis, alors, le 5 volts, on peut le passer tranquillement en dessous de l'USB-D. D'ailleurs, on n'a pas besoin. On fait un via ici. Et comme ça, il nous reste le VCCIO. Maintenant, ça c'est routé.
On peut encore faire plus petit. Pour afficher un track d'un net en question, c'est on appuie sur contrôle, par exemple, pour regarder où il va. Voilà, pour afficher le 5 volts, on l'a ici. USB D plus, D moins. Ça, on peut vérifier comment ce truc il se propage à travers le circuit. A priori, est-ce qu'on doit faire un truc ici? Non. On va faire quelque chose. On va faire ça. Voilà. Faire un petit raccourci. Pas franchement nécessaire, mais on va voir si c'est utile. Et contrôle là, quelque part dans le coin. On va enlever ce track, parce qu'on va rapprocher la prise. Maintenant qu'on a fait le gros du travail, on peut faire des optimisations. Voilà. Et re. Parfait. Et les tracks différentiels. Et juste après, on va faire les plans de masse. On va déjà faire la construction. Donc ça, on le reroute ici. Il trouve à peu près la même chose. On sauvegarde ça. Voilà. Maintenant, les plans de masse. D'abord, on va faire les edge cuts. C'est-à-dire, on va délimiter notre PCB. Est-ce que ça, comme gris, c'est suffisant? On va, voilà, on va le couper. On va le couper ici. Et pile poil là. Maintenant, on va regarder. Voilà. Il manque plus que les inscriptions, le plan de masse. Et là, on a déjà un truc. Très bien. On va rapprocher ça ici, bah, éventuellement, mais enfin, encore à voir.
Alors, plan de masse pour relier tout ce qui est en ground. Donc, plan de masse. Là. Ah, non-copper. Oui, très drôle. Commence avec le cuivre là. Voilà. Copper. Et on match ground. Que des degrés de 45, 90 et ainsi de suite. Clearance. On laisse pour l'instant ce qu'il y a. Et voilà. Ça, c'est de ce côté-là. Maintenant, pour remplir ces trucs-là, il va falloir un petit peu ruser. Ce qu'on va faire, c'est on va refaire un plan de masse de l'autre côté. Ouais. Pour que la densité en termes de cuivre soit la même. Pour qu'il n'y ait pas de trous comme ça ou juste des traces. Voilà. On va le faire sur le back, sur l'arrière, le ground. On fait les contraintes à 45 degrés et tout le reste, voilà, de nouveau. La même chose, on pourrait marquer le plan de masse existant et marquer le dupliquer et le poser sur l'autre layer, voilà. Sur l'arrière, ça a cette gueule-là maintenant. Bon. Maintenant, montre-moi ce qu'il y a sur l'avant. Ok, maintenant, regardez. On sait que l'autre truc, c'est un plan de masse. Enfin, c'est la masse. Donc, ici, on fait un VA. Peu importe. Ici, on en fait un. Là. 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 Ici. 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 Et non, encore un. Voilà. Et ouais, ici aussi. Et maintenant, on est sur ce cuivre-là. Et on dit B, c'est-à-dire le refill. Voilà. Là, il a rien fait. Pourquoi? Track to close the pad. Qu'est-ce qu'il veut? Non, ça on. Ok, ça on réglera une autre fois. Voilà, close. Ah oui, parce qu'on avait on n'a pas prévu de on n'a pas prévu de connexion entre ces pads-là. Il faudra qu'on change ça au niveau du schéma. Alors, est-ce que ça me plaît? Presque. Ça me plaît presque. On va changer la clearance à. Enfin, minimum width 2 mm et thermal clearance, on passe à 0,25. Normalement, non, c'est pas. Ah, c'est. Voilà, c'est celle-là. On rapproche tout ça et comme ça, toutes ces zones-là sont prises.
Pour tout le reste, ici, on s'en occupe pas. Ici, même chose. Zone outline, voilà. Properties 0, 25, 02, 0,25, 0,25. C'est tout ce qui est thermique. Ici, on n'en a pas besoin, mais voilà. Alors, et maintenant, voilà, maintenant c'est correct. Ok, on va faire les vérifications de ce circuit au prochain cours. Je vais vous montrer les modifications qu'il y a à faire et surtout encore les dernières finitions. Pour ce circuit-là, comment on rajoute un modèle 3D. Et puis, comment on fait une sortie sur fichier Gerber, peu importe, pour la fabrication, comment le donner en usine. Et voilà, quant à moi, je rends l'antenne. Je remercie beaucoup d'être présent, d'écouter, d'apprendre. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.